Because governments will never, ever solve the problem. There's only one thing that's going to solve it. You and I. Individuals. At the end of this year, there will be this climate change conference here in France. And all the world leaders will gather here to talk about solutions. Et tous les dirigeants du monde vont se réunir pour essayer de enfin, parler en tout cas des solutions. Most of the solutions will revolve around how they can tax themselves out of the problem. La plupart des solutions sont... Tax. La plupart des solutions évolueront sans doute autour de comment augmenter les taxes environnementales. But my bet is that most of them will not talk about any real solutions. Mais moi je parie que la plupart d'entre eux ne vont pas parler des vraies solutions. There are solutions to the climate change problem, but the problem is that they don't want to hear them. Il y a des solutions au problème du changement climatique. Le problème c'est qu'ils ne veulent pas les entendre. The first is the fact that the production of meat produces more greenhouse gases than the entire transportation industry. Le premier point, c'est que l'industrie de la viande émet plus de gaz à effet de serre que toute l'industrie des transports. And the killing of 65 billion domestic animals every year is the major contributor. Et le fait de tuer 65 milliards d'animaux de ferme chaque année est la principale cause du réchauffement climatique. So the first solution is to put an end to that and for the world to adopt a vegan diet. Donc la première solution, c'est de mettre un terme à tout ça et de changer, de se tourner vers un régime vegan. But that's not going to happen because meat is just like any other drug. It's society is addicted to it. Mais ça ne va pas arriver parce qu'en fait la viande est comme une autre forme de drogue. La société y est complètement addict. Just as our society is addicted to oil. C'est comme nous sommes complètement addicts au pétrole. But probably the most important solution that we can advance. Mais il est certain que la solution la plus importante que nous pouvons mettre en place is to repair the damage that's been done to the life support system of this planet. C'est de réparer les dégâts qu'on a causés au système qui maintient cette planète vivante. That life support system is primarily ocean ecosystems. Ce système est premièrement, l'écosystème marin. So what we need to do is simply shut down all industrialized fishing operations in the world. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre un terme à toute forme de pêche industrielle dans l'eau. Since 1950, we've taken 90% of the fishes from the ocean. Depuis 1950, on a pris 90% de leurs poissons dans l'océan. Plankton populations have been depleted by about 40%. On a perdu 40% de population de plancton. And of course, plankton provides about 80% of the oxygen that we breathe. Et c'est le phytoplancton qui fournit 80% d'oxygène que nous respirons. We need to replenish biodiversity in the ocean. Il faut qu'on restaure la biodiversité dans les océans. It's the collapse of biodiversity which is going to make life on this planet very difficult for any of us to survive. En fait, l'effondrement de la biodiversité va rendre la vie sur cette planète quasiment impossible pour nous tous. For millions of years, the species, all those species in the oceans, have had an interdependent relationship with each other. Pendant des millions d'années, toutes ces espèces marines ont vécu en interdépendance très liée. And for billions of years, the ocean has been a very healthy, viable ecosystem. Et pendant des millions d'années, l'océan a été un écosystème extrêmement solide et viable. But a few hundred years ago, non-marine dwelling species like ourselves, mais il y a quelques centaines d'années, des espèces non marines comme nous-mêmes, went into the ocean and began to take. Sont allées dans l'océan pour prendre. But we don't give anything back. Mais on ne rend rien. In the last century, the 20th century, 90% of the whale populations have been removed. Au XXe siècle, on a éliminé 90% des populations de baleines. And why that is really important is when you look at the relationship between the whale and the ocean. Et c'est très important parce que quand vous regardez la relation entre les baleines et l'océan,
During the 20th century, about 300,000 blue whales were exterminated. Alors, en fait, au 20e siècle, à peu près 300 000 baleines bleues ont été exterminées. Every day, one blue whale dumps into the ocean 3 tons of feces. Chaque jour, une baleine bleue défèque à peu près 3 tonnes. And that species are rich in iron and nitrogen. Et ces excréments sont très riches en fer et en nitrogène. And the primary nutrient base for the plankton population is iron. Et le fer est le nutriment principal qui permet au phytoplancton de se développer. So the whales simply feed the plankton. They fertilize the pastures of plankton. Donc en fait, ce sont les baleines qui fertilisent le plancton. The destruction of whales is one of the reasons we've had a decline in plankton. Et c'est l'élimination des baleines qui est une des raisons pour lesquelles on a perdu autant de plancton. The long and short of it is that we have completely disrupted the biological mechanisms in the ocean, which makes it allows it to survive. Donc pour résumer, on a complètement perturbé l'écosystème marin qui nous permet à nous de vivre. When Jacques Cartier set out from Saint-Malo in 1532, quand Jacques Cartier est parti de Saint-Malo en 1532, there were an estimated 45 million seals in the Atlantic. Il y avait une estimation de 45 millions de phoques dans l'Atlantique Nord. And no shortage of fish. Et il n'y avait aucun problème de population de poissons. Today, with seal populations under 10% of those numbers, there are shortages of fish. Aujourd'hui, on a moins de 10% de phoques restants par rapport à cette population-là, et il y a un problème avec les poissons. So it's not the seals, it's not the whales, it's the birds, it's people who are responsible 100%. Donc ce ne sont pas les phoques, ce ne sont pas les baleines, ni les oiseaux marins, c'est bien nous qui sommes responsables de l'effondrement des populations de poissons. And it's not just people eating the fish. Et ce n'est pas juste les gens qui mangent des poissons. 40% of all of the fish taken from the sea isn't eaten by people. Parce que 40% des poissons qui sont pêchés dans l'océan ne sont pas mangés par les humains. It's fed to pigs and chickens, domestic house cats and domestic salmon. On s'en sert pour nourrir les cochons d'élevage, les vaches, les poulets et le saumon d'élevage. We live in a world right now where chickens on factory farms alone are eating more fish than all the world's albatross and puffins. On vit dans un monde aujourd'hui où les poulets en batterie mangent plus de poissons que tous les albatros et les macareux du monde. We live in a world where your domestic house cats are eating more fish than all the world's seals put together. On vit dans un monde où tous les chats domestiques mangent plus de poissons que tous les phoques du monde. And we live in a world where pigs are eating more fish than all the world's sharks. Et on vit dans un monde où les cochons mangent plus de poissons que tous les requins. So we're literally eating the oceans alive. Donc nous sommes littéralement en train de dévorer l'océan vivant. So when somebody is actually eating a hamburger or some bacon. Donc quand quelqu'un mange un hamburger ou une tranche de bacon. They're eating fish. En fait, ils mangent du poisson. And this is leading to the destruction and diminishment of life in the ocean. Et tout ceci mène à la destruction et à la diminution de la vie dans l'océan. The big surprise is that the oceans have even managed to survive this far. En fait, ce qui est surprenant, c'est que l'océan a réussi à se maintenir vivant jusqu'ici. But the reason that they have is because of huge government subsidies to the fisheries. No, the reason that the fisheries have survived. Donc, en fait, ce qui est surprenant, c'est que l'industrie de la pêche a réussi à se maintenir jusqu'ici. Et la raison pour laquelle c'est possible, c'est parce qu'ils sont extrêmement subventionnés par l'État. In total, the world pays out $77 billion in subsidies to the world's commercial fisheries every year. En tout dans le monde, c'est à peu près 77 milliards de dollars qui sont donnés en subvention à l'industrie de la pêche. And with that money, they buy incredibly expensive ships and equipment. Et avec cet argent, ils achètent des bateaux, des équipements extrêmement chers et extrêmement sophistiqués. You see, 60 years ago, a fishing boat could go out and catch some fish. Il y a 60 ans, un bateau de pêche pouvait sortir en mer, attraper du poisson. Because there were fish there. Parce qu'il y avait du poisson. But now they need 100 kilometer long lines and drift nets. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de longues lignes et de filets qui font plus de 100 km. Now they need 200 million euro super trawlers. Aujourd'hui, ils ont besoin de chalutiers qui valent jusqu'à 200 millions d'euros.
And now they use sonar and satellites and all sorts of electronic devices to find the fish. Et aujourd'hui, ils utilisent des sonars, des images satellites et toutes sortes d'équipements électroniques pour traquer les poissons. In fact, there's a fish finder built by a company called Radathon. En fait, il y a un sonar qui sert à chercher des poissons, qui a été construit par une compagnie qui s'appelle Biocon. And the motto for the company is the fish can run, but they can't hide. Et le slogan de cette compagnie, c'est les poissons peuvent fuir, mais ne peuvent pas se cacher. So what we're doing right now is chasing the fish to all corners of the world, to the southern oceans, to the Arctic, and taking everything we can possibly get. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est traquer les poissons justement les moindres coins de l'hémisphère sud à l'Arctique et les trouver où qu'ils se trouvent. But the real value of a fish is not on somebody's plate. Mais la vraie valeur d'un poisson, elle n'est pas dans l'assiette de qui que ce soit. But in keeping the ecological integrity of our oceans intact. Mais dans son rôle de, dans l'écosystème marin qui maintient intègre et fonctionnel. For when the fish disappear, the oceans die. Parce que quand les poissons disparaissent, l'océan mourra. And when the oceans die, we die. Et quand l'océan mourra, nous mourrons. We fool ourselves if we think we can live on this planet with a dead ocean. On se ment à nous-mêmes si on croit qu'on peut vivre sur cette planète avec un océan mort. Because we simply cannot. Parce qu'on peut pas. But unfortunately, humanity has developed this idea that we're the center of creation. Mais malheureusement, l'humanité a développé cette idée qu'on est le centre de la création. We live in a fantasy world. On vit dans un monde fantastique. Where we've fabricated all sorts of illusions to justify our destruction of the planet. Où on s'est fabriqué toutes sortes de contes, des faits pour justifier ce qu'on est en train de faire. And the greatest illusion of all is anthropocentrism, that we are the center of creation. Et la plus grande des illusions qu'on se soit fabriqué, c'est l'anthropocentrisme, c'est l'idée que nous sommes au centre et au sommet de tout. And in the name of that conceit, we're destroying all other life forms. Et c'est au nom de ce concept que nous sommes en train de détruire toutes les autres formes de vie. You know, when somebody kills a whale, they cut it up, they sell it, a few people make some money. C'est quand quelqu'un tue une baleine, la coupe en morceaux et la vend, bon, il y a quelques personnes qui s'achètent. But what they're in fact doing is stealing the future heritage of all of humanity. Mais en fait, ce que ça représente, c'est le vol du futur de l'humanité. It's a greedy, selfish, conceited attitude, and that is the foundation of all of our economic systems. C'est une attitude égoïste, cupide, et ça représente bien une attitude globale de l'humanité. Now the good news is that all life on this planet is governed by three basic laws of ecology. Alors la bonne nouvelle, c'est que toutes les formes de vie sur cette planète sont soumises aux trois lois principales de l'écologie. The first is the law of diversity, that the strength of an ecosystem is dependent upon diversity within it. La première, c'est la loi de la diversité. La force d'un écosystème repose sur la diversité des espèces qui le composent. The second is the law of interdependence, that all of those species are interdependent with each other. La deuxième, c'est la loi de l'interdépendance. Toutes ces espèces sont dépendantes les unes des autres. And the third is the law of finite resources, that there's a limit to growth. Et la troisième, c'est la loi des ressources finies. Il y a une limite à la croissance. A limit to carrying capacity. Une limite à la capacité de charge de la planète. And we survive right now only because we're stealing the carrying capacity of all those other species. Et nous avons survécu jusqu'ici simplement parce que nous volons la capacité de charge des autres espèces. But that's just buying time. Mais ça nous permet simplement de gagner du temps. By the end of this century, we either change our approach to living with nature. D'ici la fin de ce siècle, soit on aura changé notre approche par rapport au monde naturel, or we cease to exist in a way that we know it. Ou alors le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existera plus. Because the planet will no longer be able to support us. Parce que la planète ne pourra pas nous supporter plus longtemps. But we're in the midst of what's now known as the sixth major extinction event in the world's history. Donc nous sommes entrés aujourd'hui dans ce qu'on sait être la sixième crise d'extinction massive de l'histoire de la planète. There's been five major extinction events before this one. Il y en a eu cinq avant celle-ci. And the good news there is that the Earth has survived those major extinction events. Et la bonne nouvelle, c'est que la planète a survécu à ces cinq crises d'extinction massive. Although it took 20 million years to recover from each event. Bien qu'il lui ait fallu à peu près 20 millions d'années pour s'en remettre à chaque fois. So 20 million years from now, it'll be a pretty nice place.
Donc dans 20 millions d'années, cet endroit sera sans doute très sympathique à vivre. But we won't be here. Mais on ne sera pas là pour le voir. And I don't think that we deserve to be here unless we learn to live in harmony with all the other world's species. Et je ne crois pas qu'on mérite d'y être, à moins qu'on apprenne à vivre en harmonie avec les autres espèces. A couple of years ago, I was severely criticized for making a statement that worms are more important than people. Il y a quelques années, j'étais très critiqué parce que j'ai déclaré que les vers de terre étaient plus importants que les humains. And people were outraged. How can you say something so horrible? Worms are more important than people. Et les gens étaient très choqués. Comment est-ce que tu peux dire quelque chose d'aussi horrible, que les vers de terre sont plus importants que les gens? And I said it because worms are more important than people. Non, je l'ai dit parce que les vers sont plus importants que les gens. Bees are more important than people. Les abeilles sont plus importantes que les gens. Fish and trees are more important than people. Les poissons et les arbres sont plus importants. For the very simple reason is that they can live very well without us. Pour la raison très simple, c'est qu'ils peuvent vivre très bien sans nous. But we can't live without them. Mais nous ne pouvons pas vivre sans eux. If they disappear, we disappear. Si ils disparaissent, nous disparaissons. One of the major problems affecting the world today is the diminishment of bee populations. L'un des problèmes majeurs du monde aujourd'hui, c'est la diminution des populations d'abeilles. And when people can tear themselves away from their video games or looking at Kim Kardashian's rear end, you know, they might notice that that is a problem. Et quand les gens arrivent à se détourner de leurs jeux vidéo et qu'ils voient le cul de Kim Kardashian à la télé, bon, bah forcément, c'est difficile pour eux de se rendre compte de ce qui se passe. So all of these things are happening before our eyes and we're giving it very little thought. Donc en fait, toutes ces choses sont en train de se passer sous notre nez et on y pense très peu. So the choice is very simple. We either solve the problem or nature solves it for us. Donc en fait, c'est très simple. Soit on résout le problème, soit la nature va le résoudre pour nous. And I'm hopeful, I'm always hopeful, that this conference in Paris in December might come up with some solutions. Et j'ai de l'espoir, moi j'ai toujours de l'espoir, que cette conférence à Paris accouchera de certaines solutions. It's a great opportunity for your president to show some leadership on the world stage. C'est une très bonne opportunité pour votre président de montrer qu'il peut être un meneur sur la question. But I have to say, I attended the UN conference on the environment in Stockholm in 72, the UN conference on the environment in Rio de Janeiro in 92. Mais je dois dire que j'ai assisté à la conférence des Nations Unies à Stockholm en 72 et à celle de Rio de Janeiro en 92. And nothing came out of any of those conferences. Et absolument rien n'est sorti de ces conférences. Because governments will never ever solve the problem. Parce que les gouvernements ne résoudront jamais le problème. There's only one thing that's going to solve it. Il y a une chose qui peut résoudre le problème. You and I. C'est vous et moi. Individuals. And that is why we have to have a global movement. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on ait un mouvement global. And we have a global movement, it's all around us. Et on a ce mouvement global, il est tout autour de nous. The awareness amongst people now is much, much more than it was 10, 20, 30 years ago. La conscience des gens sur le sujet est bien plus avancée, bien plus importante qu'elle l'était il y a 20 ans. And things that I used to say in the 80s and the 70s that everybody thought was ridiculously controversial and radical. Et les choses que j'avais l'habitude de dire dans les années 70 ou 80 que les gens trouvaient très controversées, très polémiques. I'm now finding people are considering mainstream. Aujourd'hui, ils sont perçus comme des évidences par beaucoup. Because I think people are becoming aware that we have to address this problem. Parce que je pense que les gens se rendent compte qu'il faut qu'on s'occupe de ce problème. 20 years ago, 30 years ago, nobody knew what a vegan was. Il y a 30 ans, personne ne savait ce qu'était un vegan. I can tell you I was in Paris in 1978 and the word vegetarian was quoi. J'étais à Paris en 1978 et le mot végétarien était quoi. So things are moving in a good direction. Let's just hope they move fast enough. Donc les choses évoluent dans la bonne direction, espérons simplement qu'elles évoluent assez vite.
guess I'm an ecological refugee. Ben, je suppose que je suis un réfugié écologique. The problem that we have now is that if you challenge these corporations and governments, then you're not going to be very popular. Ben, le problème aujourd'hui, c'est que si vous challengez les multinationales et les gouvernements, vous n'êtes pas très populaire. The Interpol red list is for serial killers and war criminals. La liste rouge d'Interpol est pour les tueurs en série et les criminels. Now I'm on that list because Japan put me on that list. Donc moi je suis sur cette liste parce que le Japon m'y a mis. I didn't kill anybody. J'ai tué personne. I didn't damage any property. J'ai pas endommagé de propriété privée. I'm on there for a charge called conspiracy to trespass on a whaling ship. En fait, le chef d'accusation, c'est conspiration d'abordage sur un baleinier. I didn't even trespass. I'm charged with thinking about doing it. J'ai même pas abordé le baleinier. Je suis accusé d'avoir pensé à un abordage. So that gives you an idea of the power that these large governments and corporations have. Donc, ça vous donne une idée du pouvoir qu'ont ces grandes multinationales et ces gouvernements. But I'm actually quite lucky. Mais en fait, j'ai de la chance. Over the last 10 years, almost 1,000 environmentalists have been murdered. Au cours des 10 années précédentes, plus de 1000 activistes écologistes ont été assassinés. Doesn't get in the newspapers. On n'en parle pas dans les journaux. And everything. You know, people dying in South America, Central America, trying to protect the rainforest. Il y a des gens qui meurent tout le temps en Amérique centrale, en Amérique du Sud, pour tenter de protéger la forêt tropicale. In Costa Rica, where I'm also wanted for saving sharks. Au Costa Rica, qui me recherche aussi pour avoir sauvé des requins. Numerous environmentalists have been murdered. Il y a de nombreux écologistes qui ont été assassinés. Not one of those cases has been solved. Et pas un seul de ces cas n'a été résolu. And in the case of Jairo Mora Sandoval, who is 26-year-old protector of turtles. Et dans le cas de Jairo Mora Sandoval, qui était un activiste qui protégeait les tortues, qui était âgé de 26 ans, they caught and charged, six individuals. Ils ont arrêté les 6 individus impliqués dans son meurtre. They were put on trial. Donc ils ont eu un procès. And they were found not guilty. Et ils ont été acquittés. Not because of the evidence. Pas parce qu'il manquait de preuves. Because the police and the prosecution lost the evidence. Et parce que la police et le procureur ont perdu les preuves. And this is the way it happens all over the world. Et c'est comme ça que ça se passe dans divers endroits du monde. The FBI in the United States now puts animal protectors above Al-Qaeda as a terrorist threat. Le FBI aujourd'hui aux États-Unis place en devant Al-Qaeda les défenseurs des animaux et les écologistes. In the United States now, under the Animal Enterprise Terrorism Act, les États-Unis ont sorti un acte qui s'appelle l'acte de terrorisme animalier entrepreneurial. You are a terrorist if you cause any corporation more than $10,000 in damages. Vous êtes légalement déclaré comme terroriste si vos actions causent plus de 10 000 $ de pertes à une entreprise. Say you call a boycott on tuna fish. Admettons que vous appeliez au boycott de la consommation de thon. And the tuna fish company loses more than $10,000. Et une entreprise qui vend du thon perd plus de 10 000 dollars. You are a terrorist. Vous êtes un terroriste. There are 8 people who went to prison in the United States for holding having a website that criticized laboratory research on animals. Il y a des gens qui sont allés en prison, qui ont fait de la prison ferme aux États-Unis parce qu'ils ont lancé des sites internet qui critiquent l'expérimentation de l'homme. 6 years for having a website that criticized the research on animals. 6 ans ferme pour avoir lancé un site qui dénonce l'expérimentation de l'homme. And this is going to get much worse. Et ça va empirer. Last week, the Prime Minister of Australia la semaine dernière, le Premier ministre de l'Australie said that the environment should never take priority over economic necessity. A déclaré que les écologistes ne devraient jamais passer avant les priorités économiques d'un pays. And in the last 20 years, environmentalists have only won 2 court cases against Australia. Au cours des 20 dernières années, les écologistes ont gagné seulement 2 procès en Australie.
And one that they won recently against a coal company. Et il y en a un qu'ils ont gagné très récemment là contre une compagnie de charbon. Has caused the Prime Minister of Australia to declare environmentalists the enemies of Australia. A suffi au Premier ministre australien pour déclarer officiellement que les écologistes étaient les ennemis d'Australie. And has said that the environmentalists are using the tools of the courts as environmental, as terroristic weapons. In other words, litigational terrorism. Et il accuse les écologistes d'utiliser les tribunaux comme un outil de terreur législative. And in Canada, they just recently passed a bill called C-51. Et au Canada, ils ont fait passer une loi récemment qui s'appelle C-21. It's aimed at Islamic terrorists. What? Islamic terrorists. Ah, c'est contre le terrorisme islamique. We have to protect Canada from Islam. Alors voilà, justifie le passage de cette loi pour la défense contre le terrorisme islamique au Canada. There is no Islamic threat to Canada. Il n'y a aucune menace islamique au Canada. Bill C-51 is aimed at Native American, Indigenous people, and environmentalists. Cette loi, en fait, va servir au Canada pour museler les Américains natifs, les Indiens d'Amérique, et les écologistes. If you oppose the Canadian tar sands project, you are now in the RCMP files as a terrorist. Si vous opposez au programme d'extraction de sable bitumineux au Canada, vous êtes listé comme un terroriste. You don't have to plant a bomb. You just have to sign a petition. Et vous n'avez pas besoin de passer une bombe. Il suffit que vous signiez une pétition. And that is the way things are going to go as the environment diminishes. Et c'est comme ça que les choses vont évoluer. Plus la situation environnementale va devenir critique. And corporations get more control of governments. Et les multinationales vont contrôler le gouvernement. Now the good thing is that there are many people who are going into government. Alors il y a des gens qui vont dans le gouvernement. Who are not bought by the corporations. Qui ne sont pas achetés par les multinationales. I like what Bernie Sanders, who's running for president of the United States now. Par exemple, comme Bernie Sanders, qui s'est présenté aux élections américaines, aux élections présidentielles américaines. He said last week, "I am not a career politician." Il a déclaré la semaine dernière, "Je suis pas un politicien de carrière." He is somebody who cares about the environment and people. C'est quelqu'un qui se sent concerné par l'environnement et par le devenir des gens. And he said something last week, I think, that is a real change politically. Et il a dit quelque chose la semaine dernière qui, à mon avis, est un vrai renouveau, un changement au niveau politique. They asked him why he wasn't attacking Hillary Clinton. On lui a demandé pourquoi est-ce qu'il n'attaquait pas Hillary Clinton, qui est sa rivale dans l'élection. He said, "I'm not here to play your stupid media games." Il a répondu, "Moi, je ne suis pas ici pour jouer à des jeux médiatiques stupides. I'm here to make a difference." Moi, je suis là pour changer les choses. And we have to stop doing all of these negative attacks on each other. Et il est temps qu'on arrête toutes ces attaques négatives les uns contre les autres. So, when I say that governments have never solved anything and that people have. Donc quand je dis que les gouvernements n'ont jamais rien changé, c'est les gens qui ont changé. What I'm saying is people have to get into government and influence and change it. Donc ce que je veux dire, c'est que les gens doivent intégrer les gouvernements et changer les choses. Infiltrate corporations, infiltrate government. Infiltrer les multinationales, infiltrer les gouvernements. And that can bring about some change. Et ça, ça permettra aussi les choses de changer. On the question of plastic, the world. All the plastic in our planet has been produced since World War II. Sur la question du plastique, tout le plastique dans le monde a été fabriqué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. And 7 million tons of it is now in our ocean. Et 7 millions de tonnes sont. Excuse me, 700 million tons. 700 millions de tonnes de plastique sont en océan aujourd'hui. This breaks down into particulate matter. Ce plastique se désintègre en toutes petites particules. Ingested by vertebrates, fish, birds, mammals. Et ils sont ingérés par, par les poissons, les mammifères marins, les oiseaux. And killing incredible numbers of wildlife every year. Et ça tue un nombre incalculable d'animaux marins chaque année. In Sea Shepherd, we set up the thing called the Vortex Project. Donc, Sea Shepherd a créé le projet Vortex.
So all over the world, we have people on beaches collecting plastic. Donc partout dans le monde, on a des gens sur les plages qui récoltent le plastique. Lamy is leading an effort in southern France to pull ghost nets from the ocean. Donc je mène une campagne à l'heure actuelle dans le sud de la France pour récupérer les filets fantômes. But more importantly, we've got to stop using it. Mais ce qui est le plus important, c'est d'arrêter d'utiliser du plastique. There's over a billion plastic water bottles being made every year. Il y a plus d'un milliard de bouteilles de plastique qui sont fabriquées chaque année. And many more billion plastic bags. Et plusieurs milliards de sacs plastiques. We just have to stop using those. And thankfully, places like Tasmania, San Francisco, and other places have banned them. Il faut qu'on arrête d'utiliser ça. Il y a des endroits comme la Tasmanie, San Francisco, ou la Corse, qui a interdit l'usage des plastiques atomiques. So we have to move towards a plastic-free world. Donc il faut qu'on évolue vers un monde sans plastique. And when people say, well, that's going to be a little difficult to cope with. Bah, alors peut-être que ce sera difficile d'obtenir la coopération de tout le monde. I just have to remind you that before 1945, there wasn't one piece of plastic on this planet. Mais il faut qu'on se souvienne qu'avant 1945, il n'y avait pas un seul morceau de plastique sur cette planète. And somehow or other, we managed to survive. Et d'une manière étrange, on a réussi à survivre sans ça jusque-là. So we can live without it. Alors on peut vivre ensemble. I know that the obstacles are very daunting. Et je sais que les obstacles sont colossaux. Almost impossible. Ça semble presque impossible. But I've always felt that the solution to an impossible problem. Mais j'ai toujours pensé que la solution à un problème impossible. Is to find an impossible answer. C'est de trouver la réponse impossible. Back in 1972. En 1972. The very idea that Nelson Mandela would be president of South Africa was unthinkable and it was impossible. L'idée que Nelson Mandela serait un jour président de l'Afrique du Sud était inimaginable. And yet that impossibility became possible. Et pourtant cette impossibilité est devenue une réalité. So as impossible as it may sound, I think that it is possible to save this planet. Donc même si ça semble impossible, moi je pense que c'est possible de sauver cette planète. And ourselves. Et nous-mêmes. Because governments will never, ever solve the problem. There's only one thing that's going to solve it. Yeah, I'm sure it's you and I. Yeah. Individuals. Yeah.